Chers enfants, chers élèves, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est maintenant qu'on entend. Donc, dirais que vous avez fait. Je dis que vous avez fait parce que tout à l'heure, quand on posait la question, qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous attendiez? J'ai entendu tout à l'heure manger. Je dis que vous avez raison. Je vous salue de tout cœur et je salue également tout le personnel enseignant, les sœurs salésiennes, tous les collaborateurs à cette belle œuvre des sœurs d'éducation qu'elles ont entrepris depuis plusieurs années ici. Je vous salue tous au nom de notre diocèse, au nom de tout le clergé, au nom de tous mes collaborateurs qui sont venus ici ce matin faire cette visite avec moi, cette visite pastorale. Oui, c'est pour moi une grande joie de venir vous rencontrer et vous découvrir comme ça. Je suis déjà venu dans la maison il y a quelques jours et j'étais avec les sœurs et elles me rappelaient cette visite pastorale qui devrait être pour moi l'occasion de vous découvrir dans votre école et dans toute la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Et je tiens vraiment à saluer cette prestation que vous venez de nous manifester tout à l'heure avec cette belle danse, les cadeaux que vous m'avez offerts et tout cela qui me fait dire que venir chercher vous ici, ce n'est pas toujours facile de repartir. J'allais demander qu'on puisse construire des tentes pour qu'on puisse rester davantage chez vous, tellement vous manifestez cette joie, cette ferveur, cette chaleur de l'accueil. Et je tiens à vous dire mes vifs remerciements. Cela me touche profondément. Je tiens à vous remercier parce que cela vous a demandé du temps pour préparer tout cela, que vous soyez aussi à l'écoute de vos formateurs pour savoir comment exécuter les pas de danse et ne pas se tromper. Merci vraiment pour tout cela. Merci pour l'accueil chaleureux que vous me réservez. Et je tiens, lors de cette visite pastorale, à faire l'hommage, rendre hommage à tous ceux qui ont eu à collaborer à l'œuvre d'éducation des sœurs depuis les origines, celles qui les ont précédées, celles qui ont été là dès les origines, celles qui sont venues, et aussi rendre hommage à tous les professeurs, les enseignants qui collaborent à cette œuvre, les parents d'élèves également qui appuient cette œuvre. Parce que cette œuvre n'est pas n'importe laquelle. Nous formons pour que vous soyez non seulement des citoyens honnêtes dans notre société, des acteurs du développement de notre pays, mais aussi de bons chrétiens. C'est l'empreinte particulière que cette formation que vous recevez a, que vous soyez de bons chrétiens, des croyants authentiques, des croyants qui, en vivant leur foi chrétienne, sont heureux de la vivre et d'en témoigner. Et ce témoignage doit se refléter par le type de vie que vous menez dans la société en étant des acteurs et développement aussi pour notre pays. Et il s'agit de savoir aussi comment vous pouvez monnayer cette formation dans les activités que vous apprenez ici, les métiers. Et je suis très émerveillé en voyant le parcours que votre école a effectué dès les origines jusqu'ici, en commençant seulement avec une vingtaine. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 900 élèves. Ça mérite d'être ovationné. Oui. Merci aux sœurs salésiennes,
remercier à tous les enseignants qui participent à cette œuvre. Merci aux parents d'élèves pour avoir collaboré activement à cette belle œuvre. Et nous voyons aujourd'hui les fruits de cette œuvre. Vous participez à l'œuvre d'évangélisation de notre Église et c'est pour moi une grande fierté. C'est pour nous tous une grande fierté. Une fierté parce que, vous savez, en faisant la visite pastorale dans notre archidiocèse, la demande que les jeunes ne cessent de me faire, comment l'Église peut nous aider à trouver du travail? Comment l'Église peut nous aider à être bien formés pour être des citoyens authentiques, honnêtes dans la société? Et en venant dans de telles écoles, je suis émerveillé de trouver que l'Église répond vraiment à ce besoin. C'est pourquoi je tiens vraiment à remercier encore une fois les sœurs, à remercier tout le corps enseignant. Et à demander à Marie, auxiliatrice, celle qui est la patronne de cette maison, et aussi à Don Bosco, de poursuivre cette œuvre avec vous et de cheminer toujours avec vous de sorte que cette école soit un lieu le plus attrayant, le plus rayonnant et qui fasse aussi, je dirais, école dans notre société d'aujourd'hui, de sorte que les jeunes que vous êtes aujourd'hui, vous soyez bien formés en ayant une formation vous permettant de répondre aux grands défis de nos sociétés, aux sociétés africaines, aux sociétés, la société béninoise. Car cette société attend de vous des hommes qui puissent aussi gérer nos institutions, qui puissent être à même d'être des présidents ou des ministres qui aident nos pays à relever la tête plutôt que de croître dans toutes les déviances que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour cela, il faut que vous acceptiez d'être malléable dans les mains de vos formateurs. Ne soyez pas comme des plans qui, au départ, sont tordus et qui ne peuvent même pas porter de fruits parce que tordus. Donc, vous devez être malléable, obéissant, vous laisser conduire par vos formateurs. Parce que les grands défis auxquels la jeunesse est confrontée aujourd'hui, c'est la désobéissance, la délinquance. Chacun veut prendre sa liberté et même dans nos maisons, les parents n'ont plus la même mise sur ses enfants. Bon, ils pensent qu'en les envoyant ici, ils peuvent être formés, mais je crois qu'il y a un lien à faire entre la formation reçue ici et la formation qui doit se poursuivre dans les différentes familles. Les parents d'élèves qui sont ici m'écoutent bien. C'est un message qui vous est adressé également. Comment faire pour que cette formation reçue par nos enfants soit la plus complète possible? Eh bien, cela relève de nous tous. Je vous invite donc à être docile, malléable, dans les mains de vos formateurs, de sorte que tout ce qu'ils vous disent aujourd'hui soit capable de nous faire